Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Alors je suis très heureux d'abord d'ouvrir par ces quelques mots le premier symposium du groupe de recherche sur les ports fluviaux, donc organisé par Irénée Forstner-Müller, Arco Willems et Marine Yoyot. Et c'est aussi évidemment un honneur particulier pour moi de présenter celui qui va nous donner la conférence d'ouverture ce soir, Nicolas Grimal. Quand j'ai fait mes premiers pas timides dans cette maison, il y a un peu plus de 25 ans, il en était alors le directeur et il a, durant cette période, marqué durablement de son empreinte cet établissement, cet institut, en lui donnant des ambitions dont l'écho se prolonge encore maintenant dans divers domaines. Je pense par exemple à la transition vers les humanités numériques, mais bien d'autres aussi. Alors je ne détaillerai pas les titres et travaux de Nicolas Grimal ici, ce serait beaucoup trop long. Je rappellerai qu'il est professeur au Collège de France, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et qu'il dirige actuellement la commission consultative des fouilles françaises à l'étranger du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ce qui lui donne évidemment une vision très élargie des travaux archéologiques, notamment dans le monde méditerranéen, mais aussi ailleurs. Ses travaux n'ont pas besoin non plus d'être présentés en détail. Il est l'auteur de nombreux ouvrages que vous connaissez tous, sur l'histoire et la littérature, non pas souvent d'ailleurs vus comme deux domaines distincts, mais formant deux pôles entre lesquels aussi les textes égyptiens, je pense aux Annales de Thoutmose III, à la Stèle triomphale de Pianki. Ses travaux récents concernent également la géographie de l'Empire pharaonique, et la conférence de ce soir s'inscrit certainement dans cette optique, tout en s'appuyant sur une vision globale des travaux archéologiques menés en Égypte. Elle s'intitule « Les interconnexions en Égypte et au Levant à travers les âges ». Je laisse la parole. Merci, cher Laurent, cher directeur, de ces mots gentils qui me touchent, qui me vieillissent aussi un peu, qui me touchent. Comme me touche la présence ce soir de beaucoup d'entre vous que je connais depuis très longtemps, qui sont des compagnons de route, qui sont des compagnons d'une vie, que je suis très heureux de retrouver, même si c'est un peu guindé, un petit peu pompeux, comme ça. Je dois m'expliquer sur le fait que, malgré la demande aimable des organisateurs, au premier rang desquels Marine Yoyot, je fais cette conférence en français pour une raison simple, c'est que, comme cela a été rappelé, je suis un peu là comme représentant d'un certain nombre d'institutions francophones, française, et qui aurait peut-être un peu de mal à comprendre que le keynote soit fait en anglais. Et puis, rassurez-vous, ça vous épargne. Vous faites l'économie de mon mauvais anglais, mais vous le retrouverez dès demain. Nous parlerons cette fois-ci en anglais. Je vous rappelle que des casques sont à votre disposition, puisque les organisateurs ont aimablement mis à disposition une traduction simultanée. Je vais essayer, pour nos pauvres traducteurs, de parler pas trop vite. Alors, Ce symposium est le premier du genre, comme l'a fait remarquer Laurent Coulon. On pourrait se demander pourquoi tout cela arrive si tard, si je puis dire. L'égyptologie va bientôt fêter ses deux siècles d'existence. 22, Jean-Paul Lyon, ce sera le bicentenaire. C'est à la fois beaucoup et c'est extrêmement peu. Quand on y réfléchit, pendant ces deux siècles, il y a eu le temps de la découverte, le temps de la constitution des outils de compréhension, c'est-à-dire essentiellement la fouille des grands sites, la découverte des textes, des documents, leur exploitation. Songez par exemple que les Ramesside Inscriptions de Kenneth Kitchen ne sont complètes que depuis moins de 20 ans. C'est-à-dire que sur cette distance, il y a eu un très long travail de défrichage et de mise en forme de la documentation. Cette documentation est très riche. Aujourd'hui, à Paris, il y a une nouvelle exposition Toutankhamon qui attire des centaines de milliers de personnes. Parce que c'est Toutankhamon, parce que c'est le rêve égyptien, parce que c'est aussi ce qui attire les étudiants qui viennent travailler en égyptologie. Ils sont tous, si on faisait un sondage dans la salle, ils sont tous venus avec un rêve, une image de l'Égypte. La géomorphologie fluviale, pas tout à fait au même niveau.
Donc on comprend que l'intérêt est tardé à se porter sur ces questions. Il y a cela, cette espèce d'aura, d'attirance de l'Égypte pharaonique telle qu'on l'imagine. Il y a aussi le fait que, indépendamment de l'étude des sources, la technologie ne permet que depuis relativement récemment de travailler sur des domaines comme l'archéologie subaquatique, la télédétection, la géomorphologie, la géographie, etc. etc. On peut même dire que les opérations ont commencé, si je puis dire, relativement récemment. Songez que un des programmes, j'allais dire un programme phare, ce serait un très mauvais jeu de mots, comme celui du Centre d'études d'Alexandrie, a moins de 30 ans. C'est-à-dire que les techniques, je pense en particulier à la mise au point des théodolites subaquatiques, ça s'est fait en 94-95, donc il y a relativement peu de temps. Donc cet intérêt pour l'archéologie, disons, plus technique, l'archéologie des échanges, l'histoire des échanges, est relativement récente. On s'est d'abord intéressé, depuis toujours, et je vais essayer de regrouper par thème les centres d'intérêt qui vont nous conduire progressivement au sujet de ce symposium, on s'est intéressé aux échanges maritimes. C'est pas commun, votre truc, parce que moi, j'aime bien regarder ce dont je parle. Alors, je vais essayer de ne pas tomber. Ou est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir un micro qui me permettrait de descendre là ? Parce que je me sens un peu pris au piège, non ? Je suis coincé. Pour tout vous dire, sur le répétiteur, je ne vois absolument rien de ce que vous voyez. Je descends ça et on me rend comme ça. Oui, on va essayer comme ça. J'ai pas. Voilà. Ouais. Je vais voir au coin un petit peu de ce qui se passe. Bien. Donc, je vous disais que on s'est intéressé de tout temps aux échanges maritimes. Alors, je dis bien de tout temps, c'est-à-dire que déjà au XVIIIe siècle, mais essentiellement à travers les sources classiques, s'est posée la question de ces échanges, mais sur lesquels on travaillait surtout à partir des textes et certainement pas à partir de l'archéologie. Nous sommes à une époque où l'idée même de travailler sur des épaves est absolument inexistante. Et puis, le temps passant, dans les années 70 à 80, on s'est intéressé, ce qui paraît logique aujourd'hui, mais qui n'était pas forcément, justement parce que l'archéologie subaquatique, et en particulier les formations comme on a pu les faire au DRAS en France, ont permis d'exploiter les épaves, d'exploiter les bateaux engloutis, et donc de se poser la question du contenu, des matériaux et des lieux d'arrivée et de départ. C'est les grandes études séminales comme celle de Casson sur Ancient Mariners et sur les Ships and Seafaring in Ancient Time, Travel in the Ancient World, Ships and Seamanship in Ancient World. C'est-à-dire que ce sont de premiers bilans qui s'intéressent à travers la documentation archéologique mais aussi historique au devenir des échanges, au contenu des bateaux et en même temps aux installations, aux premières installations portuaires. Puis, il y a des études qui vont se spécialiser plus particulièrement. Je pense à Waxman, qui sort son Seagoing Ships and Seamanship in the Bronze Age Levant. On a les œuvres de Souza qui sont plus récentes pour arriver à la fin à des synthèses comme celle de Robinson et Wilson et surtout Knapp en 2018, l'an dernier, Seafaring and Seafarers in the Bronze Age, Eastern Mediterranean. Or, ces études, comme cela ne vous a pas échappé, sont localisées sur le Levant, sont localisées sur la Méditerranée orientale. Pourquoi ? Parce que nous avons là des dispositifs côtiers portuaires qui sont perceptibles et en même temps des voies maritimes sur lesquelles on peut commencer à travailler. Continuons, si vous voulez, à avancer de façon thématique. Ce qui va intéresser, ce qui est nouveau, c'est que les échanges par mer vont être observés sous l'angle du commerce. La question du commerce n'est pas neuve, puisque déjà
à la fin du 18e, au début du 19e, on se l'a posé, mais elle reste totalement théorique à nouveau jusque au moment où l'on commence à étudier les navires et on retombe sur les études de Casson, 1984, Ancient Trade and Society. Nouveau aussi le fait qu'à partir des années 85-90, on étudie un autre type de source. On va étudier les sources égyptiennes sous cet angle-là, mais les sources égyptiennes pharaoniques. C'est-à-dire qu'on va s'interroger sur l'organisation du commerce. Alors, l'Empire romain, c'était déjà ce que l'on faisait avant, puis on s'est intéressé plus particulièrement aux échanges tels que les sources égyptiennes permettaient de les retracer. Et là, la véritable nouveauté, je ne jette pas des fleurs, mais la véritable nouveauté, c'est quand, dans le milieu des années 90, nous avons lancé avec Bernadette Menu un colloque sur le commerce, sur les échanges, et un commerce qui était un commerce essentiellement interne à l'Égypte. Vous savez, il y a eu ces études sur Market Woman et ainsi de suite, qui ont amené à regarder la documentation égyptienne sous un angle probablement un petit peu nouveau. Vous voyez, c'est 2005, l'étude de Pinault, The Market Scene in the Tomb of Khaemhat, etc. En même temps, dans cette droite ligne, si vous voulez, d'une étude plus économique que historique, on a des recherches comme celle de Madame Sauvage, qui s'est intéressée d'abord à des figures de commerçants, très bien, et qui s'est intéressée sous un angle particulièrement riche pour nous, puisqu'elle a comparé les données ougaritiques et les données égyptiennes, ce qui n'est rien d'autre que ce que nous faisons actuellement. Lucy Blue, etc. Mais regardez, on a sa thèse qui est parue en 2012 sur les routes maritimes et les systèmes d'échanges internationaux au bronze récent en Méditerranée orientale. Cela, c'est très intéressant parce que pour la première fois, on y trouve de façon, j'allais dire scientifique, de façon technique, des études sur les vents, sur les courants, sur les saisons de navigation, qui reprennent des données qui sont connues depuis l'Antiquité, qui ajoutent les données contemporaines, et qui se fondent sur des statistiques que l'on possède sur moins d'un siècle. Car cela aussi, ce sont des observations qui ne se sont faites que relativement récemment. Donc vous voyez comment le faisceau technique et le faisceau de connaissances permettent d'avancer sur cette question du commerce. Pour continuer cette revue, bien évidemment, qui dit commerce, qui dit voie commerciale, dit recherche des ports. Alors, les ports antiques, c'est un problème qui n'est pas nouveau. Hein, Lehman Hartleben avait déjà fait une recension. De même pour l'époque gréco-romaine, mais ce qui est plus facile parce qu'on a beaucoup plus de sources écrites, on a les travaux de Perry à la fin du siècle dernier. L'œil nouveau va venir avec des études comme celle de Morange. C'est-à-dire qu'on va jeter sur ces installations portuaires un regard qui va concerner plus le paléo-environnement que les installations portuaires elles-mêmes. Ce qui est logique. Si on ne peut pas se fonder, je vais prendre un exemple que je connais un peu moins mal que les autres, qui est celui de la côte levantine, l'état actuel de la côte levantine ne vous permet pas d'avoir une vision réelle de l'implantation des ports. Donc Morange a lancé ses études qu'il a menées avec Guaran-Morange, etc., Marinère-Morange, Carayon, Nicolas Carayon, qui est l'élève de Morange, qui a fait en 2008 sa thèse sur les ports phéniciens et puniques, géomorphologie et infrastructure. Et en même temps qu'il y a cette recherche qui va faire se rencontrer chercheurs de sciences de la vie et de la terre et archéologues et historiens, il y a des recensements qui vont commencer à se faire, mais sous ce nouveau regard, avec ce nouvel angle. Je pense à Grove, Port Engineering Aspect of the Magnus Portus in Alexandria, et Grove va remonter à partir des ports tardifs, et puis il va petit à petit faire, on va le voir tout à l'heure, une liste de l'ensemble des ports. C'est aussi l'époque où, en 2000, donc au tournant de ce siècle, nous avions monté avec l'UNESCO à Alexandrie un premier colloque sur le coastal management,
qui malheureusement est très peu diffusé. On a été obligé de le mettre en ligne pour que les gens puissent le suivre, mais qui était une projection de la situation actuelle avec un regard historique. Alors Grow, que je citais à l'instant, s'est lancé à partir de 2010 dans cette grande énumération des ports antiques. Donc c'est une, il y a un peu de tout si vous voulez, mais en même temps c'est une très bonne compilation qui permet de s'y retrouver en plusieurs volumes, et je crois que l'opération n'est pas terminée. Donc ça, ce sont des considérations générales, ce n'est pas très, très compliqué. Non, si vous voulez, rapprochons-nous de l'Égypte et regardons ce qui se passe sur les abords maritimes de l'Égypte. Alors, le premier élément, eh bien, c'est la mer Rouge. La mer Rouge, il y a des étapes. On a commencé par découvrir les premiers ports, puis ensuite, il y a eu l'épisode Chrisma, puis ensuite, il y a eu des premières approches comme celle de Foster sur le compte du naufragé, et surtout l'épave de Sadana, puis ensuite l'Ulundin, des études sur le commerce et les échanges en mer Rouge. Et là, on est réellement dans des études qui procèdent directement de la recherche archéologique subaquatique, avec donc des technologies qui le permettent, et on va continuer à travailler sur les contenus des navires, et travailler sur les contenus des navires, c'est ouvrir la porte vers les provenances, vers les essences, vers la technologie. Et puis, il y a Bios Hormos qui est un grand tournant, et les études de Fatovich, et la question de Punt. La question de Punt, du commerce, qui, elle, montre à quel point ce genre de préoccupation peut ouvrir les perspectives, puisque poser la question de Punt, c'est à la fois ouvrir des aspects économiques, politiques et géographiques nouveaux. Alors, ensuite, on tombe dans des choses plus connues, si vous voulez, plus récentes. C'est Peacock et Blue, Mios Hormos, Pousser-el-Adim sur l'installation romaine et médiévale, puis le premier ouvrage sur Mersa Wadiga ou Gawazis de Barb et Fatovich. Donc, aussi paradoxal que cela paraisse, ce n'est pas la Méditerranée et le Levant, mais c'est surtout la mer Rouge qui vont nous permettre d'avoir une vision. Pourquoi ? Parce que le commerce sur la mer Rouge et les échanges sur la mer Rouge, c'est quelque chose que l'on peut circonscrire plus facilement, dans la mesure où le commerce se fait soit vers le Sinaï, soit vers le sud de la mer Rouge. Il est moins diffus que le commerce levantin, et donc les traces sont moins nombreuses. Et puis il y a de redoutables pirates qui opèrent en mer Rouge. Je ne parle pas de Saïd Batam et de son étude sur Bérénike, mais je parle de Pierre Talet, qui, lui, a commencé et continue depuis maintenant une dizaine d'années à fouiller les ports. Il y a eu Ein Sourna, je salue Georges Castel qui est là aussi. Il y a eu Ein Sourna, puis il y a eu la découverte extraordinaire de Wadi Djarf, hein, avec les conséquences que l'on va détailler dans un instant. Alors, je suis désolé, Pierre, je sais que je mets à rude épreuve ta modestie, mais il faut accepter de la gloire, hein, de temps en temps. Les fouilles de Pierre Talet nous ont ouvert d'immenses perspectives et ont montré, pour moi, c'est un des meilleurs exemples de ce que peut apporter l'archéologie subaquatique pour les thèmes qui nous intéressent. Puisque non seulement il continue à étudier les techniques et les pratiques de navigation saisonnière avec les bateaux cousus, le démontage des bateaux, l'entrepôt des bateaux, etc. Mais il y a les études de matériaux, les études de restes végétaux qui apprennent énormément de choses. Et je ne crois pas trahir un grand secret, Pierre, en disant que ça avance encore rapidement aujourd'hui. Et puis il y a cet extraordinaire ensemble du port avec toute l'installation portuaire, et une installation portuaire qui est bien scellée historiquement. Et puis, cerise sur le gâteau et quelle cerise, les papyrus. Les papyrus qui permettent de décrire
l'administration et les échanges économiques, certes, de la mer Rouge, mais pas seulement, puisque ça a ouvert une fenêtre extraordinaire, et je vous renvoie, puisque vous êtes dans la maison où c'est publié, vous pouvez vous les procurer, je vous renvoie à l'étude du papyrus. Les deux volumes sont parus, hein, je crois. Il y en a un, enfin l'autre va arriver. Des papyrus publiés par Pierre qui nous éclaire sur ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est un sonotone, mais. Je crois que Larsen s'est invité chez nous. Ouais. Qui nous renseigne sur la gestion et l'organisation de ces ports, mais aussi, bien évidemment, sur l'administration, et en particulier, on l'a vu, sur le transport des blocs depuis les carrières. Si on vous avait dit, il y a 20 ans, qu'on trouverait le mode d'emploi de la construction de la pyramide de Khéops, il est bien évident que vous ne l'auriez pas cru. Alors, est-ce un fruit de l'archéologie subaquatique? Je ne répondrai pas. Pierre va nous présenter le 17 septembre ses travaux, et donc c'est à lui que vous devrez poser toutes les questions embarrassantes que je suis en train de soulever. Revenons à nos échanges avec l'extérieur. Il y a la Méditerranée orientale, bien sûr. Alors, la Méditerranée orientale en général, ben, c'est des grands chantiers comme Uluburun, hein, où on a eu, comme on disait tout à l'heure, l'exploitation d'épaves fort importantes. C'est aussi l'occasion, à propos de l'épisode historique des peuples de la mer, de poser des questions, puisque ceux d'entre vous se sont un peu penchés sur la question, ont vu que dans les représentations qui sont faites de la batellerie qui correspond à l'invasion des peuples de la mer, eh bien, on a des bateaux qui ne sont pas forcément des bateaux hauturiers, mais on a beaucoup de bateaux qui sont des bateaux nautiques. Et ça soulève une des questions à laquelle ce symposium va peut-être apporter quelques réponses. Alors, l'avantage du Levant et de la côte levantine, c'est que l'on a une abondance documentaire pour essentiellement le deuxième millénaire, mais pas seulement, on y reviendra tout à l'heure, et le premier millénaire. Et cette abondance documentaire, elle est une abondance par rapport au site, puisque l'on a des épaves, mais on a aussi des ports possibles. D'où toute une recherche dans laquelle nous allons retrouver les spécialistes de l'environnement, comme Nicolas Carayon, et son étude sur le coton, ou port artificiel creusé, donc l'essai de définition qu'il en donne en 2005. Cette question du coton est une question fort importante, puisque c'est l'introduction du port construit creusé dans des endroits où les ports étaient... Eh bien, si vous êtes patient, vous le saurez peut-être tout à l'heure. Donc, je n'insiste pas, vous avez ici les diverses études que j'ai choisies comme ça, de piquer pour vous montrer. Et puis, la relation de l'Égypte à la navigation en mer pose la question des navigateurs et des artisans qui font les bateaux. Quand c'est un truisme dans lequel nous avons tous été élevés, l'Égypte n'a pas de bois. Donc l'Égypte ne peut pas avoir une industrie nautique suffisante. Et l'Égypte importe du bois pour construire des bateaux. Ce que dément d'ailleurs l'archéologie. Vous avez beaucoup de bateaux, vous avez de l'acacia, mais ce ne sont pas des bateaux de mer. Et les Égyptiens eux-mêmes, dans la description qu'ils faisaient de leur technique maritime, eh bien, se réfèrent constamment à Byblos, c'est des bateaux Kepeni, c'est des bateaux jumelites. Donc cette question-là est très intéressante dans la mesure où elle nous permet de penser que pour ce qui est de la navigation maritime, on a une importation de techniques, une importation de connaissances, un peu, si vous voulez, comme le char au deuxième millénaire, où on importait les chevaux, on importait le char et on importait les charriers aussi. Mais on a probablement la même chose. Ces questions-là, eh bien, elles vont nous permettre d'entrer, tout à l'heure, on va le voir, dans la navigation intérieure. Alors, en Méditerranée orientale, eh bien, on a dans les grands points, ben, on a Chypre, j'insiste pas, on connaît tous, juste, je rappelle Marguerite Yon avec les hangars, mais on est là dans de la technologie grecque, en fait, on n'est pas dans la technologie levantine. Il y a la Syrie, bien sûr, bon, la Syrie qui utilise, en fait, la navigation phénicienne. On a Israël avec
à la fois un problème comme en Égypte de plusieurs mers. On a la mer de Galilée et puis on a les différents héritages, les différentes fouilles qui ont été faites, jusqu'à la Mésopotamie avec les voies commerciales Égypte-Mésopotamie. Je vous recommande le livre très intéressant de Marc, From Egypt to Mesopotamia, qui pose la question du commerce à longue distance et des intermédiaires, pas forcément du commerce maritime. Alors, on a la mer Noire qui paraît comme ça quelque chose d'un petit peu secondaire, mais qui ne l'est pas autant que l'on pourrait passer. Et puis, pour des époques postérieures, eh bien, on a l'océan Indien avec toute une littérature abondante. Je pense au livre de Banga, Sur Ports and the Hinterlands in India. Et puis, je salue Marie-Françoise Boussac qui est là, qui s'est intéressée aussi à cette question. Voilà pour ce petit tour d'horizon. Dans le Levant, eh bien, il y a un endroit qui, personnellement, me tient à cœur. C'est la côte levantine, la côte du Liban, où là aussi, il y a des études qui se sont accélérées. Vous voyez l'immense différence qu'il y a entre l'entre-deux-guerres et l'immédiat après-guerre, où on a des études assez théoriques, du genre des études de Pierre Montet. Puis ensuite, on va passer avec Waxman à nouveau en 98, et puis Marcus, et Vastuber et Bougilla. On passe à une étude assez systématique des ports et de la typologie de ces ports. Je passe vite parce que je m'aperçois que je suis beaucoup plus bavard que je ne devrais. Le Liban, donc, alors on va retrouver les études de Christophe Morand, de Nicolas Carayon, etc. Ça, vous connaissez. Je signale simplement la publication de Mariner, Géoarchéologie des ports antiques du Liban. Et puis, le très important article, même qui est assez volumineux, de Nicolas Carayon, sur les ports phéniciens du Liban, milieu naturel, etc. Le Liban, c'est plusieurs ports clairement identifiés et des ports comme celui de Beyrouth, que nos amis libanais ont soigneusement détruit. Je vous renvoie à l'article au dossier fait par ma collègue Martine Francis et moi-même sur les cales du port antique de Beyrouth qui ont été détruites il y a maintenant une dizaine d'années. Non, 26 juin 2013 à 6h du matin, vous voyez, les archéologues savent se passionner pour leur sujet. Et qui était une des dernières traces du port antique de Beyrouth, port antique qui remonte au-delà du début du deuxième millénaire. Hein. Il faut bien voir que là, on a perdu une source. Or, le fond de la question est le suivant. C'est qu'on n'a pas de port égyptien, de port maritime égyptien en dehors de ceux de la mer Rouge pour l'époque pharaonique. Et ceux de la mer Rouge, comme l'a très bien souligné Pierre Fallet, eh bien, les Égyptiens eux-mêmes disent qu'il s'agit de cette technique biblique, de cette technique de Biblos. Donc il est très important de retrouver des ports qui puissent être étudiés comme éléments de comparaison. Alors Biblos, bon, je salue la mémoire de Norfrost, bien évidemment, il y a les travaux de Stéphane Hugh, il y a jusqu'à Montchambert et Frost, et puis depuis maintenant 10 ans, bien, il y a la fouille que nous menons et dont on vous parlera le 17 septembre, qui est la fouille du port antique de Biblos. Je n'en dis pas plus, disons qu'on a seulement trouvé le bassin et que probablement on a l'emplacement du port. Alors, vous voyez qu'en fait, notre colloque, mine de rien, il touche à beaucoup de sujets qui sont autant d'explications possibles de ce qui va se passer à l'intérieur de l'Égypte. Restons encore un tout petit instant dans le Liban. Il y a Sidon, avec toujours les mêmes, mais je rappelle les travaux magnifiques qui ont été faits par le père Poitbar dans les années 30, hein, 1930-35. Le père Poitbar a en particulier fait une archive photographique aérienne complète de l'ensemble des sites du Levant. Ce sont évidemment des choses qui ont totalement disparu aujourd'hui, et cette archive est unique, est en cours d'étude à l'Institut Saint-Joseph et avec la Bibliothèque nationale de France et en même temps le Collège de France. Alors, quittons l'extérieur et venons-en à notre sujet. Les échanges fluviaux. Elle est jolie, hein, c'est... Alors, 1977.
à une époque où l'on pouvait se promener dans la Moyenne Égypte sans problème. Même la gamouze, c'est de la figuration. Alors, ici, on a... Est-ce qu'on pourrait peut-être mettre un peu... tourner un petit peu, parce que vous perdez une bonne partie de... Voilà, merci. Alors, pour l'Égypte, d'une façon générale, eh bien, on a la même progression chronologique. Disons, depuis la vieille étude de Jondel, les commentaires de Veil, Edgerton, Ancient Egyptian Ship and Shipping, qui était un article pionnier, et surtout la question que pose Edgerton, qui est celle de la dimension des bateaux égyptiens anciens. Il y a une bonne raison à ça. Il travaillait sur les inscriptions de Medinet Abou. Donc il avait sous la main les inscriptions qui décrivaient l'arrivée des peuples de la mer. Donc automatiquement, il s'est retrouvé confronté à ces questions de navigation. Et là, on se rend compte, si je peux rester un tout petit instant sur ce domaine, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a pas une énorme différence entre les bateaux naviguant dans le delta, sur les branches du delta jusqu'à Péluse, et les bateaux hauturiers qui arrivaient. Et ça, c'est un point qui va être continué à travailler par la suite, et qui va donner lieu à des études sur la comparaison entre la fabrication des bateaux telle qu'on peut l'avoir sur les sources documentaires, etc. Alors, un autre élément pour la navigation fluviale, c'est vous dire à quel point on est désemparé, c'est l'étude des représentations des bateaux dans le domaine funéraire. C'est dire quand même qu'on a des progrès à faire, hein. Si on considère qu'un bateau symbolique est en fait un bateau réel de navigation, et savoir si les bateaux cousus sont des bateaux qui ont été des bateaux fluviaux, etc. Vous voyez bien que derrière ça, il y a une question qui se pose. Si vous regardez par exemple les reliefs de Punta del Bahari, vous avez une représentation de rivière avec des bateaux dont on ne sait pas très bien s'ils sont des bateaux de mer ou de rivière. À tel point, rappelez-vous, il y a une quarantaine d'années déjà, oui, l'expédition Punt qui avait été faite sur un bateau copié des reliefs de Deir el-Bahari, et le hardi navigateur avait fait le tour de l'Afrique avec. Donc ça pose aussi un certain nombre de questions. Alors, c'est aussi la question, bien évidemment, du bois et des matériaux. Je vous renvoie à l'étude récente de Ward. Alors cela, eh bien, on en a un écho immédiat dans notre... colloque, c'est l'exposé de Serena Esposito sur justement les techniques et le personnel de navigation, qui sont ces bateliers, etc. Ça, donc, on y reviendra dans le colloque. Alors, toujours dans la navigation fluviale, la question des canaux. La question des canaux, il a fallu attendre assez longtemps pour qu'elle soit réellement prise. Vous vous rappelez les études comme celle de Posner, en fait, sur le canal du Nil à la mer Rouge, mais il n'y a pas une recherche réelle sur, à part la petite synthèse de Zingarelli, Los canales artificiales y el Nilo en la frontera oriental Egipto antiguo, et puis sinon vous avez la question de l'irrigation, c'est-à-dire qu'on va jouer la question des canaux, et je pense qu'on va en parler dès demain, on va la jouer par le biais de la navigation, éventuellement, et de l'irrigation. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est très difficile d'évaluer l'utilisation possible du Nil lui-même. Le Nil subit des variations saisonnières, le Nil antique, pas le Nil d'aujourd'hui, et donc, à moins de supposer qu'il y avait une navigation purement saisonnière qui se faisait, on a une difficulté à établir les liens qu'il peut y avoir, les relations qu'il peut y avoir entre les métropoles régionales et entre elles. Donc on a la synthèse de Müller-Romain, Transporte im alten Ägypten auf dem Nil mit Booten und Schiffen, et puis notre ami Pommet, qui a fait en 2015 au CEVALEX le colloque avec Jean-Yves Empereur sur la bathellerie égyptienne, archéologie, histoire, ethnographie, fort intéressant, je vous conseille la lecture de cela. Alors, sur ces thèmes-là, eh bien, nous allons avoir, demain, nous avons la contribution de Nicolas Michel, qui va nous montrer le jeu des canaux
parce que ça aussi, c'est une donnée qu'il est lui-même dans lequel il est un pionnier. On va avoir aussi Guylaine Allôme sur des périodes plus récentes. Elle vient bien, oui, je ne suis pas trompé. Oui. Elle est là, Guylaine. Bon. Donc, sur des périodes plus récentes. Ce qui est intéressant dans ces communications, comme vous allez le voir, c'est qu'on a en fait des données assez peu variables. Et ces données assez peu variables, ben, on ne les connaît pas vraiment beaucoup. Alors, on verra ça, ce sera sûrement passionnant. Toujours dans cette riche session, on a Pascal Arnaud, mais je crois qu'il sera en visioconférence, puisque malheureusement Pascal ne peut pas venir. Ça aussi, c'est très intéressant, puisque c'est les activités dans une source, et je vais y revenir tout à l'heure, qui est la papyrologie grecque et tardive, qui est une source extraordinairement riche pour interpréter. Et vous allez voir que le terrain appelle cette source, et cette source appelle aussi le terrain. Puis on a un essai de Clémentine Audouy, qui doit être par là, et que je salue, qui est en fait une idée intéressante. On va voir ce qui en sort, si les canaux et l'irrigation sanguine peuvent être associés, s'il y a un usage métaphorique. Et puis, alors bien sûr, là, on commence à entrer dans les questions de fond, c'est Arco, la question de fond, c'est toi, et puis oui. C'est-à-dire que, eh bien, qu'en est-il du paysage, qu'en est-il de l'environnement et de sa variabilité historique? Donc là, se posent les vraies questions auxquelles on ne pouvait pas répondre tant qu'on n'avait pas les outils adéquats pour y travailler. Alors, est-ce qu'on est au point aujourd'hui, est-ce qu'on peut arriver à des déterminations précises? À vous lire, j'en ai l'impression, mais je suis sûr que vous allez nous le confirmer. Toujours, et pour terminer avec cette question, il y a celle de la télédétection et du repérage. Donc Thomas Herbig, que nous connaissons tous, puisque nous avons tous, à un moment ou à un autre, eu recours à ses bons offices, Thomas prend le sujet et va nous montrer, comme il sait le faire, l'utilisation et l'intérêt de la prospection géophysique dans le delta. Alors, je vous la fais brève parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Il y a plusieurs exemples. On va parler de Tel Daba, bien sûr. On va parler de Tanis aussi. Je suis très heureux que les patrons des deux sites soient là. Parce qu'on a en fait la même problématique. Comment peut-on déterminer les emplacements portuaires par la prospection géophysique alors qu'on est dans des paysages qui ont évolué complètement? Et ça, c'est passionnant et je crois qu'on va y revenir. Vous voyez que maintenant, ça y est, je me suis installé dans le colloque. Je fais enfin le travail qu'on m'a demandé de faire. Judith Bunbury va nous exposer quelque chose qui est passionnant, en tout cas qui moi me passionne. C'est la question des ports sur toute la longueur de la vallée de la cataracte jusqu'au Caire. C'est une sorte de sommaire général de ce que l'on va voir plus en détail par la suite. Alors évidemment, dans ces opérations, je me suis permis de reporter sur une carte de géographie les points d'attaque du colloque. Vous voyez que le delta est extrêmement fréquenté. On a 7 communications qui sont sur le delta. Pourquoi ? Parce que le delta, c'est l'endroit où à la fois c'est le plus difficile, mais où en même temps on peut réellement travailler. Alors, regardons cela. La principale, c'est Morgan Dapper, qui va nous parler de l'évolution, mais sur un très long temps, puisque depuis le Pléistocène tardif, hein, on est à large vue, il va nous parler de cette évolution. Ce sont des connaissances indispensables à avoir pour pouvoir traiter. Vous voyez, par rapport à notre point de départ de tout à l'heure, on est très très loin. On est parti de perspectives purement historiques d'analyse de sources à des perspectives beaucoup plus larges, puisqu'elles englobent des aires géologiques complètes et qu'elles englobent la géographie complète. Et cela, c'est une des grandes caractéristiques de ce type de recherche aujourd'hui. Je ne vous parlerai pas de pluridisciplinarité, c'est de la complémentarité. Les choses ne peuvent plus se comprendre
en dehors de leur contexte. C'est ce que savent tous ceux qui font de l'épigraphie, de la papyrologie ou autre. Si vous étudiez un texte, il faut le contextualiser. Si vous ne contextualisez pas, vous ne le comprendrez pas. Et bien là, ce pas est aussi franchi dans nos études. Alors, une petite revue rapide de détails, parce que vous allez commencer à avoir soif. Sur le delta oriental, ici, donc on a Tunis, on a Tanis, et puis on a Tel Daba. Donc on va avoir ici trois conférences, celle d'Irène Forstner-Müller, sur, alors, très intéressant parce qu'on est A Tale of Two Cities, entre Komombo et Tel Daba. Je veux dire qu'au début, j'avais lu l'article, mais j'étais un peu bon. Et en fait, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement stimulant. Je ne sais pas, Irène est là, oui. Je pense que c'est très très stimulant et que nous allons être probablement très heureusement impressionnés. John Cooper, donc sur Tanis, mais il n'a pas remis de résumé. Mais moi, je ne l'ai pas lu, c'est ça, d'accord. Okay, bon. Et puis, on a Catherine Blouin de Toronto. Alors, c'est intéressant parce que là, on a un autre point de vue. On est à l'époque tardive, on est à l'époque chrétienne. Et vous savez que les zones, les franges, les zones frontalières égyptiennes sont aussi des lieux d'érémitisme, sont des lieux où les sociétés évoluent assez différemment. Donc, je pense que cette étude du paysage social va pour nous être certainement très enrichissante. Plus classique, est-ce que nous allons voir dans le delta ici, dans le delta central, on a Mouto et Locratis avec deux communications de Ross Thomas. The River Port of Naucratis, Infrastructure and Technology. Vous vous rendez compte? On en est à pouvoir parler du port de Naucratis, de son infrastructure et de la technologie. Là, c'est un des sujets de pointe sur lesquels, je crois, notre attention doit être attirée. Et puis, Penelope Wilson, sur Saïs, bien sûr, et on a John Wunderlich qui va nous parler de Marina. Non, pas, c'est pas lui. Ah, c'est fou ça, vous êtes combien? Sur Bouto. Vous voyez, méfiez-vous quand même, il y a plus de participants en longueur que de titres. Bon, sur Bouto. Lesquelles fouilles de Bouto vont d'ailleurs, je crois, rebondir et partir dans une direction nouvelle. Marie-Françoise Boussac va nous parler de Taposiris. Bien sûr. Alors, Taposiris. C'est très intéressant Taposiris, parce qu'on a les deux interfaces. On a le port fluvial lacustre, et puis on a l'interface qui doit se faire vers la mer. Et en fait, les fouilles de Taposiris nous ont montré, d'abord, que l'implantation historique est beaucoup plus longue que ce qu'on pensait. On est maintenant 18e dynastie. C'est un progrès, hein ? On est à la 18e dynastie, mais alors du coup... Et je me permets de faire une petite parenthèse à cet endroit-là. Ce type d'étude qui nous permet d'affiner l'utilisation et la présence humaine sur des terrains vient nous apporter des éléments que la documentation écrite ne nous donne pas. Aussi, on a trouvé il y a une statue, je ne sais plus ce qui a été trouvé, un relief et une statue, non ? Oui. Et cela, on se rend compte. Vous voyez que les sources égyptiennes ne nous en parlent pas. Or, comme vous le savez, et là c'est l'historien qui vous parle, on a bâti le véritable roman sur l'absence de témoignages documentaires et historiques sur les relations avec la zone limite. Et en fait, ces relations, elles existent. Et on va probablement pouvoir reconstituer des chaînes que l'on avait du mal à reconstituer jusqu'à présent. Et d'ailleurs, on va aller encore un peu plus loin vers la Libye. J'avance rapidement, nous arrivons dans des endroits qui sont fondamentaux et en fait on s'aperçoit qu'ils sont aussi fondamentaux que peu connus. Que se passe-t-il à Memphis? Quelle est la réalité du port de Memphis? Vous voyez, Memphis, Zweite Hauptstadt, oui d'accord, Memphis on n'a pas la cité, on n'a pas grand-chose et Memphis, le Nil a beaucoup bougé. On sait que le cours du Nil a beaucoup évolué, donc que faut-il en penser? Comment faut-il le prendre? On est là en plein cœur, et ce sont les études de David Jeffries, que je n'ai pas vu, tu es là? Ah ben oui!
Ok. Donc, David qui va nous présenter, David qui est depuis fort, fort longtemps sur ma fille, qui travaille sur ma fille. Et puis, une autre communication sur justement les mouvements de migration du fleuve, qui est celle de Pedro Gonçalves. Dernier point sur cette zone-là, eh bien Marc Lehner avec une problématique un peu différente, qui est celle du port des pyramides. Alors, je ne vais pas rallumer le feu de la discorde sur le port de Giza, mais il est évident que on a là un sujet complexe pour lequel on a beaucoup de documentation écrite. On a beaucoup de documentation parce que ça touche à un grand site funéraire et que de toute façon, on a beaucoup fantasmé sur l'utilisation de ces ports, sur l'utilisation au moment de l'enterrement, etc. Mais on a peut-être un petit peu négligé l'aspect économique de ces implantations portuaires. Et en plus, c'est un site qui aujourd'hui, comme vous le savez, on va dire difficile d'accès, sinon impossible d'accès. Donc là aussi, on a un thème sur lequel on attend peut-être pas mal de résultats. Notre hôtesse, et je suis triste parce que je ne pourrais pas être là, je suis obligé de partir le dernier jour, Marine, qui va nous présenter avec Judith Bunbury et Jan Osterischer, qui va nous présenter le fameux port de Niour, Gourob. Et ça, c'est une clé extraordinaire parce que c'est la clé du Fayoum, c'est la clé aussi de la navigation en Moyenne-Égypte et dans une zone extrêmement riche, extrêmement dense. C'est aussi la clé de l'occupation politique. Je n'oublie pas que Marine est partie du harem et que partie du harem, elle a pris une évolution vers la réalité, la géographie de cet ensemble. Alors c'est un projet, je le dis, auquel j'attache beaucoup de prix, que nous avons soutenu de notre mieux, qui a rencontré énormément de difficultés et dont j'espère qu'il pourra se continuer. Enfin, nous restons ici, nous remontons. Eh bien, on a la présentation de Cornelius, Interconnection between Settlement and River and Elephant in its Ender. Intéressant puisque on a ces grandes cités sur le Nil. Alors, comment se fait leur relation au Nil, surtout dans des zones comme Elephantine, où la navigation est relativement complexe, où on est dans un ensemble, dans un cadre pour lequel on connaît l'utilisation de canaux, etc. Donc il y a là un réel travail en profondeur à faire. Toujours en restant dans la Haute Égypte, on a Wolfgang Müller qui va nous parler de Siené. C'est un peu la même problématique. Quel est l'accès qu'avait Siené au Nil réel? Ce sont des questions fort importantes parce qu'on a jusqu'à présent considéré un peu rapidement que les accès n'étaient pas évidents, étaient difficiles. Et il y a certainement à revoir cette question-là. Alors, je suis très heureux de pouvoir entendre, et ça je serai là, je pourrai l'écouter, Abdelmonem Saïd Mahmoud, qui va nous parler du quai qui a été trouvé à Gebel el-Silsileh, ce qui est fort intéressant, parce que Gebel el-Silsileh, c'est un centre économique névralgique, hein. C'est un lieu d'extraction important. Enfin, eh bien, nous avons la région de Louxor. Ah, ça, c'est... Là encore, on va faire de la géomorphologie. Que se passe-t-il après le Pléistocène? Comment se crée le paysage actuel? Vous savez que pour ne prendre que l'exemple du temple de Karnak, c'est une question fondamentale. Puisqu'on sait aujourd'hui, c'est Angus et Judith qui ont fait les recherches dans ce sens, on a recréé un paléo-environnement correspondant probablement à la période de fondation du temple, et la topographie est totalement différente. Ça n'a à peu près rien à voir avec ce qu'on a maintenant, en plus des fonds, ce qui nous a permis de voir d'où provenaient les lacs sacrés. Et on a des fonds et des buts qui expliquent sur un plan théologique la fondation et la création du temple qui n'était plus dans sa réalité postérieure. Alors, ici, on parle de l'un, on a l'autre, Angus, ici, qui va donc revenir et nous parler sur
la rive ouest est le canal secondaire du Nil sur la rive ouest. Je n'insiste pas, c'est la même problématique. Et puis, dernière, excuse-moi Laure, si tu es la dernière communication, c'est le port de Koptos. C'est de ma faute, parce que j'ai fait en remontant. Alors, le port de Koptos, alors, c'est difficile, c'est très intéressant, parce qu'il y a la question de l'abord, bien évidemment, ça c'est une chose, mais il y a aussi le rôle que peut jouer un port dans une interconnexion qui n'est pas que fluviale, puisque là on a une interconnexion fluviale jusqu'à Koptos, et puis ensuite, ben, qu'est-ce qui se passe et comment va se faire? On sait qu'il y a un transit économique qui se fait, comment ce transit économique peut-il s'articuler avec un passage terrestre, puis à nouveau une navigation. Si c'est bien de ça que tu parles, sauf erreur de ma part. Voilà, je sais que l'heure du cocktail est là. Alors, ça c'est une diapositive comme personne ne les aime. Elle n'est pas belle, elle est moche, et elle ne dit rien. Sauf, elle dit, et ensuite ? Car j'ai essayé de vous montrer que l'on était passé de problématiques historiques générales à une multi-problématique scientifique. Je crois que c'est clair, on le voit bien. Mais qu'est-ce qui va en sortir de ça? C'est un premier colloque. Alors vous allez me dire un deuxième colloque. Oui. D'accord. Mais qu'est-ce qui va en sortir? Est-on capable, et c'est des questions que je pose aux intervenants, avec d'autant plus de tranquillité que je ne serai pas là le jour de la réponse. Qu'est-ce qu'on va en sortir? Est-ce qu'on va être capable de modéliser un environnement nilotique ou pas? Parce qu'on se rend bien compte, même quand on est totalement ignorant comme moi, on se rend bien compte de la variabilité énorme qu'il y a, qui tient à des facteurs qui sont seulement à des échelles géologiques et pas du tout à des échelles historiques. Donc, quelle est la pertinence? Est-ce qu'on peut arriver à une modélisation? Deuxième élément, à mon avis, sur lequel il va falloir réfléchir, c'est quel nouveau regard sur les sources permettent d'avoir ces données. Vous me pardonnerez, moi je suis d'abord un spécialiste des sources textuelles. Donc il est évident que j'essaie de comprendre. Et il faut essayer de voir dans quelle mesure ces données, pour un bon nombre de points, c'est clair. Mais il faut là encore essayer d'avoir une méthodologie qui permette de restituer ces résultats et de les faire vivre dans la documentation. Puis, il y a la question de la fouille. Peut-on fouiller en milieu nilotique? Et comment? Je ne vous apprendrai rien, surtout ceux qui habitent au Caire, en vous disant que les fonds du Nil sont des fonds sans fin. Comment faire? Comment arriver à travailler en milieu immergé? Est-ce qu'on peut inventer une archéologie subaquatique nilotique? Entre parenthèses, si vous le faites, mettez un scaphandre. Je vous conseille de ne pas trop boire ni trop respirer dans l'eau. Mais y a-t-il un transfert méthodologique possible de l'un vers l'autre? Car tout ce que nous venons d'énumérer, ce sont des études au sol. Ce n'est pas de l'archéologie subaquatique. Je vous y ai amené par l'archéologie subaquatique, mais ce n'est pas du tout ce dont il va être question. Quelle peut en être la part? Je me souviens de discussions passionnantes sur Tel et Daba, avec justement les géomorphologues à Paris. Irène, vous n'étiez pas là, mais on discutait quand même, et sur les recompositions de paléopaysages, qui sont extrêmement intéressantes, mais combien difficiles à mettre en œuvre, combien complexes, et dans des zones où la fouille n'est pas facile, et dans des zones où la fouille n'est souvent pas totalement permise. Donc tout cela aussi, ce sont des données auxquelles il faut penser. Travailler sur l'Égypte, c'est travailler aussi sur l'intérieur du pays, pas sur les sites archéologiques, pas sur les grands sites archéologiques, ça aussi. Mais j'en ai assez dit, je vous ai assez embêté. Je vous remercie de votre patience.